peut-être. Quatre cent mille, on va faire des choses avec ça. Ça. Rigolo celui-là. Pas de tacle. Part sur deux pots de vin et une serveuse. Alors lui à 200 000, 200 000. C'est le dernier match, j'ai rien à acheter. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai rien à acheter, on va peut-être se prendre les serveuses. Allez, fair play financier, c'est pour les faibles. Afficher. Salut script. J'ai eu le chat qui déconnait. Donc Nagra va rejoindre en deuxième mi-temps là, il est occupé. Gravision, je l'ai mal écrit, la gravision. Ah oui. Alors, je joue en défense, il veut attaquer mon adversaire, très bien. Très bien. Alors, nous avons un 3 en force poignard. C'est pas une arme secrète. C'est pas une arme secrète, ok, on est d'accord. Très très belle équipe, tout à fait. Donc 3-3 couteau, 3-3 couteau. Alors 9, 11 et 14. Peut se permettre de mettre des mecs devant. On peut se permettre de mettre des mecs devant. Ok, ça m'a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Mange en agilité? On pourrait quasiment se coller.
pour éviter qu'il tape. Alors, il a un intrépide. Intrépide. Donc, il peut faire intrépide. Tac. Donc, lui pour lui. Lui pour lui. Ok. On va rester comme ça. Mais on pourrait avancer une case. J'ai pas trop peur du snap. Ouais, j'ai quand même un peu peur du snap. Donc, on va se laisser se faire défoncer là. Alors, oui, alors, Nagra, une très belle équipe. Donc là, c'est une ligue avec des équipes anciennes. La mienne est relativement jeune. Donc c'était un choix personnel, donc un choix compliqué parfois. Mais c'est une équipe de Nakao qui a pexé correctement, on va dire. Qui n'a pas eu trop de souffrance. Nagra est une équipe qui a beaucoup plus joué et une équipe très sympathique. Ouais. On a plus un mouvement, plus un agité saut. Donc c'est un gars qui peut se barrer avec la balle comme ça, sans problème. Joueur vicieux, là. Alors il a un blessé, je crois qu'il a eu un blessé grave, du coup il joue à 11. Mais sinon il a un joueur vicieux en cas de besoin. Voilà, on a un... Alors on a un glisseur, je vais quand même afficher des compétences. Voilà. On a lui, qui avec glisser contrôlé, tacle plongeon, extrêmement propre. Donc pour aller marquer avec mon centaure, ça va être très compliqué. On a aussi un intrépide. Qui peut être vraiment pas mal pour passer sur un côté. Voilà. Ça peut être vraiment, vraiment pas mal. Et puis voilà, des 4 receveurs. Non, une équipe bien, mec avec esquive. Bon, là j'ai tac, on s'en fout un peu. Mais vraiment une équipe vraiment sympa, quoi. Un porteur de balle qui peut faire des passes très, très longues. Voilà. Un receveur avec parade. Non. Franchement, là. Il va falloir que je blesse, donc moi j'ai pris sorcier, pot de vin, petit carré à la totale quoi. Et le public est avec moi, ça c'est bien, ça c'est bien. 3 relances, bah, il n'en faut pas plus. On pourrait même jouer à 2 relances quasiment si vous voulez baisser sa TV. Un petit carré bien sûr. Voilà. Donc sorcier, on va voir. On va essayer de pas cramer sorcier trop vite. Donc griffe devant parce que il a 7 en armure sauf 2 gars. Châtaigne en retrait, la garde pour protéger lui s'il veut passer sur le côté. Et la garde au milieu pour faire un peu chier. Quoi. Ouais. Voilà, ça devrait faire assez chier. Là, il pourra pas venir. À moins de blitzer là. J'aurais pu coller. J'aurais pu coller pour éviter qu'il passe trop facilement. On verra bien. On verra bien. Donc Nagra, c'est un joueur qui sait prendre des risques. Il sait faire des actions très osées. Donc ça peut marquer très 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 vite, hein. Va falloir vraiment jouer prudent. Ok, ça c'est bien, bon après ça va pas être trop compliqué au ramasse à balle. Ok, on va partir sur un tout droit, sur mon côté un peu faible, ce que j'avais prévu. Lutte, très bien. Commencer à mettre un petit coup de crampon. J'ai pris mon pot. Alors j'ai failli prendre un joueur vicieux. Mais comme j'ai un banc à 2, qu'ils ont 7 en armure et que la star est pas si mal en fait. Elle est pas si mal. En plus elle est joueur sur noir. Il y a moyen de faire un combo quoi. Il y a moyen de faire un combo. Ok. Très bien. On va tabasser le nain. On le dégage là. Ah, c'est pas mal avec la garde. C'est pas mal d'ailleurs. Il va faire son pénible. Il y a moyen de faire un truc sympa ici. Ok, ça veut passer pour marquer vite. Ça veut passer pour marquer vite. Ok. Donc là, il va falloir coller. Sinon, je vais l'intercepter celui-là. 1, 2, 3, 4. Voilà, il va falloir protéger. Va falloir protéger avec lui, ok. D'accord. Ok, donc jusque là, c'est normal. Attention que je n'attrape pas avec ces deux-là. Donc ils ont 6 en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va pas être évident la protection.
Oula. La relance, on n'utilise pas. La balle est sécure. Voilà, la balle est sécure. Ok. Ok, donc faut pas trop. Faut pas trop se démarquer. Est-ce que on protège ici? Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. On va quand même fermer l'axe au cas où. On va quand même fermer l'axe au cas où. Taper là, ça peut taper là. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Bon, ça c'est dépensé. Ça c'est dépensé. Donc ici il y a un play à faire pour libérer de ce côté-là. Et là il faut qu'il assure. Il faut qu'il assure le schmilblick. Ok, il assure le schmilblick direct. On a un nerf d'acier ici. Ça peut transmettre sans problème. Il y en a un chemin. On a un chemin pour passer. On a un chemin pour pas passer. Mais ici on peut intercepter. On peut tabasser ici. Ok. Ça libère lui, c'est propre. Oh, transmission. Transmission sur nerf d'acier avec double esquive. Ah, c'est pas mal, ça c'est du Nagra tout craché. C'est typiquement Nagra. J'ai hésité à faire la patate. J'ai vraiment hésité à faire la patate pour piétiner. Il avait raté la sienne. Ouais. Tant pis pour moi. Tant pis pour moi. C'est vraiment un beau play. En plus, il a 5 en agilité. Ouais, donc c'est du. C'est 2 plus, 2 plus. 2 plus sans esquive, 2 plus avec esquive. Salut quoi. Il n'y a pas eu blitz par contre. Il n'y a pas eu blitz. Donc on pourrait presque blitzer pour enlever la. Ah, pas mal. On peut même blitzer. Oh, il s'en fout. Il dit qu'il s'en fout. Ok. Bon, on a perdu le pot de vin. Il a perdu une relance. C'est pas cher payé. Ah, les elfes, le clic tout droit. Mais là, c'était pas mal. C'était pas mal. Maintenant on va commencer à concasser. Un coup de poignard sur de l'armure 7. Et il va pas falloir se faire intercepter. Donc il a marqué vite, j'ai pas pu lui faire un coup de sorcier.
C'est une grosse équipe, hein. Une grosse équipe, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Lui qui fait de l'œil quand même, hein. Et lui qui fait de l'œil. On pourrait taper. Lui qui fait de l'œil. On pourrait venir taper ici. Lui me plaît bien. L'intrépide. Ah, l'intrépide, il a une blessure. Hein. Il a une blessure persistante. Il a une blessure persistante. À la rigueur. Alors, peut-être mieux blitzer lui. Côté l'attaque aussi. Hein. On va regarder au milieu, Pépère. On va regarder au milieu. On va s'en tenter comme ça. On va s'en tenter comme ça. Frappe en profondeur, normal. Cinq. On tire. Hop là. Ah oui. Ah oui, c'est en armure. Il avait moins en armure. Enfin, c'est une équipe qui a beaucoup souffert. Il a 6 en armure, hein, forcément. Forcément, ça aide pas mal. On peut plus piétiner comme avant. On peut plus piétiner comme avant. Tu vas pouvoir tabasser ici.
Ok. Attention, ça peut tabasser de la cagette. On a juste un KO pour l'instant, faudrait piétiner. Putain, faudrait piétiner, mais j'ai plus de pot de vin. Ça va être dangereux. J'ai quand même en plus de... Encore pour piétiner. Y'a pas quand même moins en armure encore. Ah, c'est lui. Lui, il a une blessure persistante. Et lui aussi. Et plus en armure, on l'a sorti. Donc, blessure persistante ici, là. Tac. Ah, il a bien placé. Il a bien placé le petit coquin. La magie du tacle. Il a qu'un jump. Il a qu'un jump. Cinq tours pour avancer, il y a moyen, il y a quand même moyen. Il y a quand même moyen. Ah, ça veut piétiner.
Allez, l'agression d'Agra. Oui, il peut faire le tour. Oui, la tacle. Ah, mauvaise idée. Mauvaise idée. La tacle, c'est une mauvaise idée. Il a 3 en force, ça c'est l'avantage. Il a jump mais il a pas arraché le ballon, de toute façon j'ai dextérité. L'intrépide. Ok, il veut coller porteur de balle. Il veut coller porteur de balle. C'est bon ça. Oh ça c'est très bon. Oh ça c'est très bon. Bim bam. Bam. 7 en armure. Ok. Ok. Oh.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour mais un peu compliqué quand même. Venir taper là. Que ça joue prudent, ça peut tabasser. Bon, il n'y a pas de perte pour l'elfe, donc c'est plutôt pas mal. Ça, ça marche bien. Trois relances, ça devrait aller. Ah, la pelouse est dégueulasse. Et c'est le tacle. Ouf. Oui.
Quelle déception, quoi. On va avoir des blessés, hein. On va avoir des blessés à ce rythme. Exit contrôlé. Et là, il sait contrôler. C'est pas mal du tout, ça. C'est pas mal du tout. Ah oui, il s'en sort bien. Il s'en sort bien, le cochon. Il s'en sort bien. Encore la relance. Alors... L'idée, c'est ça. L'idée, ça va être ça. L'idée... Oh putain. C'est pas dit qu'on y arrive. C'est pas dit qu'on y arrive. Ouais, je m'allume.
Il a un tour, il a un tour. Il a un tour. On a un tour derrière. Alors l'idée c'est quoi? Ça. Ça. Je dépose ici et ça dépose là. Et c'est le coup de crampon. Ah. Ah, mais il y a un troupeau de chats. Il y a un troupeau de chats. Plutôt là que là? Ah, parce qu'il n'y a pas une terre de moi. Une boule de feu géante là-dedans, boum. Thank you.
d'acier. Il y a plus de relance, il y a plus de relance le pauvre. Il y a pas eu de chance sur les... sur la pelouse. Encore une case. Alors, est-ce qu'on peut faire des 4D? Ça fait très très loin. Moins 2 sur. Comme c'est qu'il a moins de... Comme c'est qu'il a moins de... Au revoir. Au revoir, petite créature. Ça fait mal ça. Bon, ah, moins 2. Alors, il ah. Hello. Salut.
Ah, j'avais coupé mon micro, j'avais pas fait attention. Ah, enfin, enfin le match est relancé. Une jolie petite équipe d'elfes. Ouais, elle est pas mal, enfin, pour le moment. Pas passé loin ce one turn, pas passé loin. Eh non. Ah, j'avais fait un placement très offensif volontairement. Ça aurait pu mal tourner. Ok. Alors. Ça c'est là. Comme ça, ça peut être comme ça. J'ai ça de contrôler tout ça, tout ça. Pif, paf, paf. Paf, qui sait de contrôler. Contrôler. Alors le kick, il est où le kick? Il est plus là le kick? Il est toujours là le kick. Allez, allez hop. J'ai sauvé les mecs qui étaient blessés et qui avaient peu d'armure. Ok, c'est parti, on va commencer gentiment. Ouais, ça va, c'est plutôt gentil. Ouais, moi je suis un mec. Moi je suis un mec comme ça. T'es un amateur de beaux jeux. Ah oui, toujours, toujours. Voilà. J'aime bien ça, j'aime bien. Alors, on envoie des nains droit devant. Pif paf, on se tabasse. Plutôt satisfaisant de notre côté. Oui, tout à fait. Pour le moment, ça, ça pourrait changer. Ça changera pas. 4 relances. Avec la relance, 4 ouais. Relances. Ah, la tentation est si forte. La tentation est si forte. Ah, on joue à 11 quand même. On peut pas s'amuser à piétiner comme avant. On peut pas s'amuser à piétiner comme avant. Bon. Bien vu que j'ai plus d'appo. Oui, il y a un mort qui a survécu. Mais du coup, je sais pas si j'ai deux fois les effets de la persistante. Ou... Oui, ça se cumule. Ah oui, c'est... On mettra des armures solides. Ah, les équipes d'elfes et les elfes pro en plus,
ça reste fragile sur le long terme. T'accumules des blessures. Réflexion intense. C'est normal, ça. On me dit coup de bambou sur châtaigne dans l'oreillette. Oula, oh, c'est bon. Oula, ça. Je te dis pardon. Oh, le coup de moufle. Ça, c'est pas... Le coup de moufle. Avant quand même. T'es un peu sérieux. Le problème c'est que pour me qualifier là faut que je mette pas mal de touchdowns. Ouais. Avec la différence de touchdown. C'est marrant, on a tous les deux armure 7 et on n'a pas tous les deux armure 7 à la fois. Ouais. C'est marrant. Tu vois un peu l'idée? Ouais, ça se relance bien. Ça se relance bien cette affaire là. Alors... Comment qu'on va s'y prendre? Alors, ça va déborder. Je sens quand même que pour mes elfes ça va un peu. Ah non, un non, peu non. Quand même. On a quand même des projets, hein. On a quand même des projets. Parce qu'au bout d'un moment ça finit bien par lâcher quand même. Pas pour savoir sur qui, comment. Concrètement, il y a vraiment un joueur qui est plus important que les autres. Mais... Ouais. Parce que lui, en fait, je peux pas le remplacer, même à long terme. Enfin, je suis pas sûr d'avoir un joueur aussi bien. Quoi. Oh, oui, ça. Allez, la griffe, c'est le moment. Ah oui. Eh oui, je surveille les armures 8. Il y en a deux. Quand même. Eh oui. Très utile cette griffe. Ah, pas loin, pas loin, pas loin. Et tout est d'abord solide. Oui, la châtaigne sur l'armure 7, la griffe sur l'armure 8, les coups de crampon dès qu'il y a un mec au sol, un mec important. Le petit bonhomme au poignard, je m'en rappelais plus, il est assez sympa. Il a pas eu le temps de... Si, il a eu le temps de parler un petit peu. Mais je crois qu'il est un petit peu cher quand même.
3 il vaut totalement. Enfin, je trouve plutôt à chier quoi, pour 350. Ouais, bah là il était pas pratique parce que t'avais qu'un seul mec qui avait tacle. Et une armure faible. Pour ça. Je pensais que t'allais prendre le Minotaur par exemple. Ah, il est un peu cher. Je préfère avoir mon sensier contre toi quand même. Parce que avec lui t'avais 3D tout le temps. Ah mais... J'ai du mal à trouver les étoiles. Surprise, surprise. Ah bah va falloir rassurer, tant pis. Je vais te faire des trucs comme ça aussi. Obligé de commencer à prendre des risques. Wow. Ça c'est pas un truc super important, le bloc de tout à l'heure qui est plus important. Mm. Ah, tu as un peu plus bon. Ouais. Obligé à peut-être à faire quelque chose. Bah non. Ah, et là y'a pas de chance sur le les GFI, hein, j'ai vu. Pas de chance sur les GFI. Ah non, mais moi les GFI c'est depuis 2 mois, je crois que c'est comme ça. Mais bon, là c'est ça que ça rate et ça fait pas trop de dégâts. Le plus important est passé, c'est ce qui compte. Alors l'idée, c'est une sorte de tout droit dégueulasse. Une skink, comme on dit dans le jargon, visiblement. Brûle mon cosmos, brûle! Ah, voilà. Ah, la griffe. Griffe plus monsieur persistante. Un grand classique. Mm. Alors, tout ça pour dire. Tout ça pour dire. Ah, que... fallait bien que ça lâche au bout d'un moment. Ouais. Oh, c'est pas fini avec ton petit jump là, je surveille de près. Bah, juste lui, je peux pas faire grand chose. Ah, oui, tout à fait. Là. Ah, dans la situation actuelle. Alors... C'est comme ça. Ça sent la gourmandise. Surtout avec l'intrépidité en moins, parce que lui, quand même, il est assez utile. Oui, très bien, très bien, intrépide. Oh. Très, très bien. Ouais, intrépide. Ouais, je me disais pas que ça allait être aussi intéressant. Allez, ça, je sens que ça va être la mauvaise idée de la journée. Ah, ça. Oh, ça passe pas. Ouais, que ça passe pas, c'est possible. Ouh! Le moins décontent. Moins 3. Moins 3, moins 1. Tiens, il n'y a pas qui s'est contrôlé sur le compte. Et salut Kaz. D'accord, il y avait un match en parallèle, j'ai l'impression. Donc pour ceux qui nous rejoignent, un match avec beaucoup de primes. Donc j'ai pris un champion, Rastak, qui a servi un petit peu, mais qui a pris un coup de poing assez violent. Voilà, j'ai pris un sorcier que j'ai pas encore utilisé. J'ai pris un apothicaire et un pot de vin que j'ai utilisé. Donc la première mi-temps était un peu molle au niveau des blessures.
Où ça joue la qualification. Ah d'accord, j'ai pas trop suivi. Ah oui, c'est ça le problème. Ah ouais. Ah. Ouais, donc j'avais 400 de primes, mais ça reste des nains avec tacle. Donc l'équipe des Nions Elfiques est très très belle, mais elle a quand même des blessures. Il y avait un mec à moins en armure, là, je l'ai pas loupé. Il y avait un mec qui avait plus un à la blessure, je l'ai pas loupé. Et là je viens de sortir celui qui avait encore plus un à la blessure. Tous les mecs un peu fragiles, je les ai pas loupés. Donc première mi-temps, un but très rapide des elfes. Ensuite j'ai dû marquer un tour plus tôt que prévu. Suite à le piétinement de trop comme d'habitude. Et on a failli avoir un one turn qui est pas passé loin. Qui est vraiment pas passé loin du tout. Le gagnant de votre match est qualifié, il y a un enjeu pour votre match. D'accord. Et il faut que Nagra mette 3 de plus que toi. Ah oui, c'est ça que tu disais qu'il fait, que tu marques Ah oui, beaucoup de c'est buts. moi, Ouais. Non, il faut quand même gagner, sinon on perd tous les deux. Donc Nagra, il a pas eu beaucoup de chance sur les patates, sur les GFI et sur les esquives. Il y a vraiment beaucoup de relances qui sont C'était quand parties même connement au début. c'était quand même assez peu probable que ça. Ouais. Non, sur les actions importantes, toujours la relance à cramer, ça fait toujours toujours mal au cœur. Après bon, donc maintenant il y a moins de TV, mais ils ont de la garde, ils ont du tacle, c'est des pénibles quoi. Et salut cousin. On va jouer, tiens. Ah non, c'est trop crade. Je sais pas. Ça veut Peut-être que j'en ai quand même. pousser, ça veut coller. Ça veut coller. Ça va être ça. Relance sur ce tour. Alors pour Ah bah je sais pas quoi faire. ceux qui étaient là hier soir, j'ai eu un match magnifiquement bien dégueulasse avec une brouette de dés négatifs. Ok, sans la griffe. Ouais, je suis pas inspiré. Alors. Ça fait 8 en mouvement, saloperie. 4, 5, 6, Ah, ça 7, 8. Attention. Allez, pour changer. Le De moment tout jeu décisif. 1 sur sur jet d'armure. Allez. Le moment décisif du match. Ah, c'est dommage. Pas puni. Et pas puni.
ça y va. Les coups de crampon, une grande spécialité de la maison. Bon, le crampon était risqué. Hein. On peut se faire coller. Bon, là, l'adversaire, il faut qu'il y ait un coup de 2 dés rouges. Il y a un sorcier en backup. J'ai 4 relances pour ramasser sa pu. Ah, y a lui qui peut arriver comme une balle aussi. C'est pas une vraie cagette. Hein. C'est pas une vraie cagette. Un misclic. Misclic, tout ce qui est plus misclic. J'en ai pas prévu. Je sais pas. Champ ici. Voilà, la lutte est un peu loin. La lutte, ça va être un peu compliqué. Bonjour. J'aurais dû cacher un peu plus sur ma gauche. Pas très bien ce que j'ai fait. Des jours comme ça. Ah, c'est un peu ce que je craignais. Vous n'êtes pas bien là tous les deux? Non. On s'en va. C'est malin ça. Et oui. Il reste ta clé de partout. Ouais. Ah, je peux essayer ça. Encore une sonnette. Ouais, ouais, ce que je vois. On sort bien. Du coup, cette route là. Là, une tenue. Pom pom. Le pincé là, y a pas le choix. Le play, ça va être ça. Ouais, le play, ça va être ça de toute façon. Un dé ou deux dés? Un dé ou deux dés?
Il n'a pas de blocage, le garçon. Il n'a pas de blocage. Là, tu dis au revoir. Tentation ici forte. Oh, la 4 lancée. D'accord. C'est chiant tout cet arc. Ah. Oui. Voilà. Il y a des options, il y a des options. Il y a beaucoup de KO, donc le one turn est toujours possible hein, si le match s'éternise. Ah oui, c'est Armure 6 qui est revenu, ouais, qui avait pris un coup de couteau. C'est Armure 6, ouais. C'est comme ça qu'on appelle. Allez, essaie de contrôler. Eh oui. Le début de la fin. Attention, le petit paquet. Oui. J'espère que je m'arrête un moment. Ah, mais c'est rigolo. J'aime bien. Tout le monde s'en va. Ah si, il s'en va. Finalement, il s'en va. Au revoir. Pas trop loin, mais... Alors... Tac, 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 tac... Ça semble difficile pour... Ah t'as pas esquive, toi. Pour contre-attaquer. C'est difficile de s'en prendre... T'as pas esquive, mon coquin. Alors, 3 tours, 3 tours, 3 tours, 3 tours... Donc on a pas essayé de contrôler sur le dersh. Ah puis surtout pas forcément boucher tous les trous. Il y a des joueurs comme ça. Ça va être toute la cassette contre lui qui va devoir montrer tout son art. On commence à préparer les premiers brancards d'ailleurs. Ça la châtaigne. Ah oui! Grand classique, ah oui. Châtaigne tax, armure cette esquive. Les fondamentaux. Oui, oui. Ah. Ah. Y aura-t-il une relance offensive? Ah. Ah, quel dommage. Ah là là, ça se complique. Ça se complique. Et non, et non. Tu veux qu'il l'avait. Alors... Non, ils ont trop de compétences. Ah, jamais trop de compétences. Oui. D'ailleurs, je les ai toutes affichées. Je vois rien sur mon écran. Ah, on va quand même trouver le temps pour un petit surf. Oh, cette phrase m'évoque quelque chose.
Ça, ça peut être très intéressant. Ah, c'est couille, je vais la tenter. Ouais. Aïe aïe aïe. C'est pas mal. Il y a un trou dans la raquette, je répète. Il y a un trou dans la raquette. On va voir ce qu'on peut acheter. Ah. Wouh. Ok, bon. Pas collé. Oula. Je sais pas ce que ça fait. Ah, il est chiant ce petit coucou. Ah bah c'est forcément du crotté dans les autres de terre. Pas tortillé. Aïe aïe aïe, le 1D arrive. On est en train d'écraser la proba. Ah, ah. Coucou. Eh ben non, il arrive pas. C'est le plus facile qui rate. Oula. Ça va, ça va, ça va. Oh. Ah, bah moi qui voulais cramer ma boule de feu. Moi qui voulais cramer ma boule de feu. Fallait absolument gagner 3-0. Alors. Très difficile. Cette contrôlée n'est plus là. Est-ce qu'on est joueur? Je sens qu'on va être joueur. Je sens qu'on va être joueur. Alors. Il va falloir. Je sens. Congé de retour de chaos. Et pourquoi pas une relance supplémentaire? Sinon, très difficile d'espérer. On va être très très joueur sur ce coup-là. Pas mal. Alors, 3, 4, 5, 6. Alors. 3, 4, 5, 6, ça va passer. Ah, tu veux les pousser sur le pouce en tort? Ouais. Non, je suis en train de préparer une grosse boule de feu. Alors. Ah oui, l'ouvrage issu d'un savoir-faire ancestral. La préparation de la boule de feu, tout à l'heure. Châtaigne sur l'armure 6. Surprise! Passe. Bon. Oh, c'est le paradis du chaos ici. Alors. Donc, Bibi. Bibi, il est capable de revenir. Donc ça va être un truc comme ça. Ça va être un truc comme ça. Un, deux, trois, quatre. Ça va être un truc comme ça. Ça va être un truc comme ça. Ils sont solides ces petits gars. Plutôt généreux. un peu laxiste. Oh.
Ah, c'est impossible. On s'en fout des... Alors, là je sais pas si j'ai le droit. C'était... c'est le centaure. C'est le centaure qui faisait la zone. Ouais, ouais. C'était pour rentrer dans celle du... Alors... Ah, pas si loin, il y avait... Ah, il y avait un double 1 malheureusement. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut faire un éclair sur un mec au sol? C'est le moment de vérifier. On sur peut pas. Le trois quarts, sur le non, ah non, ah, pardon, excuse-moi, je t'avais pas vu. Non, j'ai des projets pour le 3 quarts. Se préserve. Alors. Pour les compétitions. Ce serait dommage de perdre sur une tentative de surf. Ah oui, ça serait tellement ballot. Ah, la tentation est si forte. Ah, le public ne voudra jamais ma châtaigne. Ah, c'est bien vu. Comme je l'ai toujours, plus on fait de KO, plus on a de chance d'avoir des retours de KO. Ah oui. Merci. Allez, espérons qu'il revienne pas, petits elfes. Il est sorti! Eh oui, cousin, il est sorti, c'était un surf. Pas mal. Pas mal, pas mal. Pas le J5, malheureusement, pas le stade de notre équipe. Avec le. Intrépide. Intrépide, il y a le plus en mouvement aussi. Alors... Ah, plus un mouvement, il est sur... il est ouais, à la buvette. Ah, ah ouh. Alors, intrépide, ça se contrôle. Sans les joueurs, c'est très difficile. Voilà, tout... Tout ce... Ah, par contre, j'ai l'agresseur. Ça pourrait être intéressant. Ah, faut pas être tranquillier comme ça. Amour et chocolat. Ah non, mais bon, quand il y a beau jeu, je trouve le beau jeu. Je me sens tellement obligé. Sinon je serais grossier, je dirais pas être grossier quand même. La vanity pass on la connaît. On remarquera une prestation solide des elfes malgré oui. Les intimidations ouais. Maintenant du KO. Surtout la première mi-temps. Hein. J'avais fait un vieux KO, j'ai dit ça va être compliqué pour la suite. Bon, attention, il te reste 13 secondes. Aucune expulsion avec tout ce qu'on a fait. Si. Alors, qui la tient ouais. Pour l'instant non. Pour l'instant non. Eu un pot de vin aussi que tu utilises. Ouais, j'ai utilisé le premier tour. Qu'est-ce que j'oublie? Qu'est-ce que j'oublie? Pas convaincu de ma défense, on verra bien. Effectif. Aïe. Ah oui, mon classe contrôlé est déjà utilisé. C'est embêtant. Sachant que ça garde les deux côtés. On va quand même faire que c'est trop. Oh, j'ai un gros. Non, non, je pense que ça va être très compliqué à bon marquer. On va se concentrer sur le plus important. La vengeance. Voilà. La vengeance. Regarde. Le joueur ad hoc. Ah. Surprise. Alors, donc tu voulais taper mes petites créatures fragiles.
Alors. Ok, plus un la blessure. Plus un la blessure. Ça mérite un coup de griffe qui est pas là. Alors, est-ce qu'on peut se faire un 3D? On peut se faire un 3D avec le centaure. Non. 4, 5, 6. Il n'y aura pas de 3D. Il n'y aura pas de 3D. Comment ça se passe pour lui? De résistance à l'intimidation. Attends, mais c'est toi qui m'a piétiné tout à l'heure. C'est toi qui m'a piétiné. Hein. Ah, le beau jeu jusqu'au bout. Voilà, tour 17. C'est pour toi, public. Voilà, y a plus d'énergie. Y a plus d'énergie. Aussi. Ah. On restera là. Ça ne voulait pas. Demandait ouais. Une très très grosse réussite. Tout à fait. 5 sur la trésorerie. Ah, dommage. T'as vu le MVP si j'avais réussi la passe? Ah, oui. Quand même toujours du clair côté elf. Alors, voyons. Je pense que les dés étaient moins pourris que hier, largement. Ouais, les tacles ont fait toute la différence. Beaucoup, beaucoup trop de 1. Je regarde les GD, je suis sûr qu'il y a beaucoup trop de 1. Ouais, 35-1. Très peu. Ouais, D1, ouais. J'en ai fait pas mal. Il y avait trop de 1. Tu vois, les esquives sont de 4%. Il n'y avait pas tant de 3+, il y avait beaucoup de 2+ qui passaient pas. Ah ouais, j'ai quand même des sous en réserve, c'est intéressant. Bon, après, je sais pas ce que ça va donner pour la dernière ligue des vieux, que ça va être très très chaud quand même. Ça va être très très chaud, surtout. Ça va avoir pas mal de TV. Ouais. Et après, honnêtement, je pensais. Bon, là, l'histoire du 3-0, je me voyais pas le faire, honnêtement. Enfin, il aurait fallu beaucoup de chance, mais. Mmh. Je pensais le match gagnable. Mais. Ouais. Ramassage réussi direct. Après, c'est très difficile de rentrer dans la cage. Vu qu'il a. Par ce 4. Ah, la qualification n'est pas confirmée. Apparemment, il va y avoir du code d'avérage de partout. Bon. GG. Merci. C'était un match intéressant quand même. Ouais. Nos positions de ouais, style. Ouais, le premier but était pas mal. Ah pas bah, mal. Je l'ai fait en deux tours, tout dans le style Elf Pro. Bon, on a grâce à après, je. À partir d'une certaine TV, je sais plus si je dois défendre ou attaquer, quoi. C'est ça le problème. Bah, marquer vite, ça c'était obligatoire. Et ensuite, il fallait attendre le moment de faiblesse. Mais j'ai. Il y a eu le kick, j'ai eu la chandelle et j'ai pu ramasser derrière. Les coups d'envoi étaient vraiment pas beaux quoi. Après aussi, t'avais beaucoup de bancs. Ouais. Enfin, d'autres bancs avec. Et du coup. Ouais. J'avais au moins 3 de bancs. Ou 2 de bancs. J'avais compté là-dessus vu que je savais que tu jouais qu'à 11. Ouais. Donc, j'avais après, vraiment une option crampon avec un sorcier en backup. Ouais. Je me rachèterais très bien en 3/4, mais ça va me faire plus 60 000 de TV donc. Faut voir la suite, voir si quand l'équipe sera rejouée.
Ouais, contre qui on va jouer déjà? Commencer par attendre ça. Ça sera pour la prochaine saison si jamais. Ouais. Ah, il y a deux joueurs vraiment mal en point. Plus les blessures. Compliqué parce que l'équipe est encore bonne. Encore très bonne. Ouais, on peut encore faire de bons matchs. Mais bon. Plus en mouvement, plus en agité, saut. Normalement, c'est le but. Hein. C'est toujours le but avec lui. Ah bah voilà, bah la pompe, bah il marque à tous les matchs. Et là, 4 receveurs et. 3 quarts vraiment fragiles. Le joueur vicieux, il peut être remplacé. Celui avec la lutte, ça, tu commences déjà à réfléchir. Pas facile. Ah, la lutte, il pexe pas beaucoup hein, parce qu'il a la lutte quoi, et pas esquive. Mmh. Ou bloc. Mais la lutte ouvre les espaces. Le lanceur, il a pris une deuxième blessure. Double blessure persistante sur le lanceur. Ah, c'est pour ça que je lui ai mis esquive il y a pas longtemps parce qu'il fallait à tout prix protéger. Je suis pas sûr qu'il faille le garder. Ça, c'est compliqué, hein, vraiment compliqué les choix. Ah, dextérité, précision, ouais. Il sert sur le drive d'attaque, tu le protèges. Avec combo avec nerf d'acier, c'est pas facile. Ouais. Pas facile. J'ai failli prendre nerf d'acier à place des skis, mais je dis il faut que je fasse un effort pour garder en vie, même si on joue contre des nains. Ça reste en plus, enfin esquive quand tu fais une passe, ça te, enfin ça te permet plus de mouvement, donc du coup ça te facilite la passe. Là, il fait du 6 cases à 2+. Donc c'est quand même pas mal. Avec nerf d'acier tu peux faire passe, transmission, puis salut quoi. C'est la force de l'équipe quoi. Ah bah attends, sur mon équipe de OL Franco Bull, j'ai un lanceur nerf d'acier costaud. Oui. Tu sais, compétence de force. Ouais. Costaud précision. C'est ce qu'il a. 9 cases. 9 cases. Hop. Il traverse tout le terrain. Ah c'est magnifique, ouais. ça c'est du Blood Bowl total. Ah oui. Ah oui c'est ça. C'est 9 cases plus 6 cases de mouvement, et si jamais je rince la page, je garde la balle en main avec lancer précis, pas de soucis quoi. Ah bah, le lancer précis ça a servi pour les interceptions. Oui. Ça sert plus qu'on croit. Ah oui, mais quand tu fais des passes, parce que plus tu fais de passes, plus tu fais de jets d'interception. Ouais. Bah c'est quasiment, il faut faire un double 6 pour intercepter, c'est quasiment ça. J'ai eu le cas de figure, j'ai dû utiliser une relance d'équipe parce que mon jet de lancer précis était raté. C'est un 3+, j'ai fait 2, j'ai relancé, c'est passé. Ah oui. J'avais jamais fait ça de ma vie. Ouais, la force. Non, bah de ton côté, d'un du chaos, bah t'as les gardes et du coup, plus le Bull Center Block, il faudra que je m'inspire un peu de ça pour ma saison prochaine, vu que je les joue. Alors, pour Centaur, le blocage c'est vital. Vital au début. Ensuite, en porteur de balle, c'est pas forcément le centaure. Normalement, c'est l'homme gobelin qui est porteur de balle. Mais j'en avais un gobelin avec dextérité qui est mort. Du coup, j'ai dû absolument passer sur dextérité parce que j'avais que deux relances. Enfin, c'était le bordel. Il fallait absolument que j'ai dextérité sur centaure. Du coup, ça devient un porteur de balle, mais tu perds moins de punch vu que ton gars porte la balle et n'attaque pas en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Et normalement, les centaures, tu peux en faire des intercepteurs. Tu peux leur mettre blocage, tacle, châtaigne. Ou alors, tu peux en faire des porteurs de balle avec esquive en force. Pour toujours se replacer avec le ballon et se balader. En général, on fait un check. Voilà. Blocage, esquive en force. T'as vraiment un mec bien. Sans avoir dextérité, parce que du coup, t'as l'homme gobelin qui ramasse et qui va faire une transmission à 4+. Même, voilà. Et ça fait un buteur. Je ferai ça, tu vois. Je ferai bloc, esquive en force. Un centaure, c'est 9 en mouvement. Donc si tu fais esquive en force et que t'arrives à te replacer, le gars il te rattrape jamais. Non mais carrément c'est ça que j'aimerais bien essayer. J'aimerais bien essayer de refaire des nordiques aussi, même si je suis très mauvais avec. Alors nordique c'est très fragile, il faut du banc. Et les frénésies, si les gens savent jouer contre, tu prends des pièges à frénésie de partout. Mais après tu peux faire de la magie. C'est Andy Davo, le grand spécialiste, il te surfe des mecs. C'est incroyable quand même. Il surfe des mecs par paquet de 15. J'aimerais bien tenter de faire un Luke Werner avec esquive en force, tu vois. Un quoi pardon? Ah, tu sais, le loup-garou. C'est pas prioritaire. Mais je dis, il a mouvement 6 quand même. Ouais. Ça fait un joueur intéressant, tu vois. Il faut blocage ou châtaigne d'entrée. Là, tu fais bloc et esquive en force, par exemple. Ouais, ça peut créer une surprise, mais. J'aime penser à plus original, lutte, esquive en force. Pour surfer, pour saquer. D'accord, pour avoir 4 en force et impacter quoi. Okay. Ouais. Comme ça, tu varies, t'as l'ulf bloc guard, le pilier, et t'as l'ulf plus joueur. Ouais, après, ils ont 7 en armure donc c'est compliqué de faire des plans. Mais le reste 7, donc c'est compliqué de faire des plans sur la comète parce que ça peut très très vite mal tourner.
C'est pas évident, pas évident. Après, t'as pas besoin de tes relances, quasiment pas, à part ramasser la balle. Donc, esquive en force, pourquoi pas, pour créer le moment surprise, quoi. Toi, t'aimes bien les moments surprise. Ah Bah, comme je disais au début du stream, je dis attention à la gravision, il peut faire des plays hyper risqués. peut créer la surprise dans cette Ouais, c'est rencontre. ça, c'est ça. Bon, là, il n'y avait pas trop de surprises. Mais il y avait des caches qui étaient mal faites, donc ça aurait pu, ouais. Ça aurait pu avec. Bah, il y a juste eu le one turn, ça franchement j'ai cru que j'allais la mettre. Honnêtement, je me suis vu trop tôt. Parce qu'effectivement, le one turn, tu pouvais plus gagner pratiquement. Enfin, il fallait. Voilà. Bah si Ah, je forcément. si tu repassais devant et que je marquais vite, ben tu remarquais derrière. Hein, tu remarquais derrière. Il fallait absolument que je gagne 2-1. Donc match est fini pour tous les spectateurs de Bigadin. Le match est fini sur un 2-1 avec une grosse TV de différence. Mais pas beaucoup de réussite pour l'elfe. Et C'était quoi des sur nains solides quoi. Ah les elfes ont été solides sur leurs armures mais c'est vraiment sur les jets d'agilité que ça n'a pas été terrible. Puis à seconde mi-temps, il y a un effet boule de neige. Bah, Ça c'est l'arbitre a sifflé au début, puis après il est parti avec son argent, on l'a jamais revu. le temps que le virement Western Union arrive. C'est ça. Alors ouais sur boule de Ripier il y a 7 points d'écart. Alors le classement, on en Ouais, est c'est où le ça, coup? j'ai moins 5 en ouf, c'est ça qui fait addif. Par contre, en bloc, je suis bien, effectivement. J'ai de meilleurs meilleur dés de blocage. Ah, ça, c'est ce qui va tout qui font l'addif. Je vois pas trop comment je passe. Bah, sauf au début où j'arrive quand même à marquer, il y avait une bonne boîte de dés pour marquer. Beaucoup de 2 plus, mais. Alors, les dés. Alors, donc moi les dés étaient très corrects. Les dés de combat étaient très corrects. Et ouais, tes dés de combat étaient très corrects aussi. Oui, j'ai une meilleure idée de blocage, surtout en Ouais, première mi-temps. il y a eu des bons indés. Et Oui, ouais. bah j'en ai pas beaucoup raté, juste hein, les Voilà. deux au sol à un moment, ensuite Donc pas pire qu'une flèche. on pourrait dire qu'il y a autant de 1 que de 5, mais c'est les 1 qui ont pêché à chaque fois. Toujours au même moment, les 1, ils ont pêché. Bah après, je vous dis, j'ai quand même réussi à marquer quoi. Donc, parce que le pire quand t'es un elfe, c'est quand t'arrives pas à marquer et que tu perds Ouais. 2-0. Ouais. Parce qu'un elfe, il doit marquer même s'il perd. Et c'est chaud, oui, parce que sur ton drive, t'avais cramé la relance de premier tour, pas le choix. Et au second tour, ça avait failli mal tourner. Vu que je t'avais mis cramponné, j'avais hésité à faire une patate avant de cramponner pour être bien placé. J'ai hésité parce que tu venais de te vautrer au tour précédent en sprintant. J'ai failli cramponner à un moment Mais après, t'avais aussi. encore le saut, donc t'avais encore le saut, plus l'esquive à 2 plus. J'ai pas senti, du coup, but. C'est intéressant. On refera pas le match, cher spectateur, il fallait le regarder. Mais il est très intéressant. C'est ça. Un classique à montrer dans toutes les écoles de football. Le tea break, différence de blessure, plus blanche infligée. Ok. Bon, ben. Il faudra la surprise, Artag. La suite. Non, une petite équipe du NKO qui s'en est pas trop mal sortie dans cette division ultra violente. Du Ouais. coup, tu finis combien? Là pour l'instant, c'est 10e. Ah 10e, il y a des merde. gobelins qui n'ont pas joué de Walter. Je vois pas contre qui ils ont pas joué. Ah si, ils ont pas joué contre Artag. Non, ça contre Satem, d'accord. Donc s'il perd, il descend un peu au classement. Je sais pas si c'est les 10 premiers qui sont pris ou les 8 premiers. Et c'est les 8 premiers Ah, pour faire des quarts d'accord. de finale. Ah, il y a Villarm qui a pas joué non plus. Ah oui, donc. Ah oui, il y a beaucoup de monde en fait. Ah, il y a des matchs qui n'ont pas été faits, d'accord. Il va falloir que les élo... Ah oui, alors franchement, si je me qualifie à la place d'Artag, je pense que ma journée serait magnifique. Ah, ce serait très bon mouvement de dernière Ah. minute. Tac. Après, Artag, il est du genre à faire des blessés. Artag. Bon, Artag, c'est forcément des orques, normalement. On ne dira pas qu'il ne sait jouer que ça. Non. Même si ça peut arriver de le penser, enfin que certaines personnes le pensent, quoi. Alors, il interdit les nains, mais alors, les orques, qu'est-ce qu'il y en a, quoi? Alors, Artag, tu vois. Deux morts subies.
Il a tué 9 personnes quand même. Ah, il a pas une grosse carrière, son équipe a pas une grosse carrière en fait. 9 morts. Il a un troll avec plus d'agilité. T'as osé Artaï. T'as osé le lancer de gobelin avec 4 gobelins. Mais qu'est-ce que c'est cette équipe? Il dit que c'est pour le troll, mais en fait, il l'a fait parce qu'il croyait que c'était bien. Hein. Faut pas l'écouter. Non, mais il peut pas me passer devant avec une équipe comme ça, quoi. Pas possible. Pas possible. C'est Orc Noir. Qu'est-ce que c'est cette équipe? Il n'en jamais, tu m'étonnes qu'il n'en jamais. Ah la vache, il a osé quoi. Ah cette équipe. Ah! Ah je m'en vais. Du coup, moi je crois que je vais devoir faire pareil. Parce qu'on commence à parler d'Artag, là ça me donne des nausées. Là, c'est... Ouais. Oh. Non, non. Pardon. Non. On aime Artag. Sauf quand il joue à football. Ah mais là il m'a traumatisé en début d'année, je m'en suis toujours pas remis. Il était tellement en confiance qu'il me pitilait avec son troll. Ah oui, j'avais vu ça, mais oui, très belle animation d'ailleurs. Ouais. Il réussissait tout. Ah bah c'est mon équipe bretonien, je pense qu'il reste que 6 gars quoi pour le prochain match. Tout le monde m'a roulé dessus quoi, c'est incroyable. Et 6 gars, c'est plus fort que toi. Ah mais oui. Le trône pétine mieux avec 2 d'agi. Eh oui. Il serait capable de s'en convaincre. Allez, bonne soirée à tous. Alors du coup, j'ai la flemme de faire un raid. Ça sera donc pour la prochaine fois.